Good morning, Aleidan et Susra. Aujourd'hui, les Lonishma Janin, Ruth Bat Fortune, Mazal Fritna, Lea Chayabat Mazal Tov, Lucien Bat Reina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Gitin, Pere Gimel, Mishnachet. Amaniach, Perot, Liyot Mafrish Alien Truma ou Maasrot. Maot, Liyot Mafrish Alien Maaser Sheni. Mafrish Alien Bechazkat Shen Kayamin. Ima Avdu, Arezesh Choshesh Meet Leet. Divré Rabbi Elazar ben Shamua, Rabbi Yehuda Omer, Mishlosha Prakim Botkin et Ayain, Bekadim Shel Motsa'e Echag, Beotsa'at Semadar, Bishat Knisat Amaim Baboser. On est dans le même principe des Mishnayot précédentes où on parlait des Cheskat Chay. Les choses ne changent pas d'état jusqu'à preuve du contraire. Chaque fois qu'on a des sfekot dans la halakha, les choses comme elles étaient, elles sont restées jusqu'à preuve du contraire. Tu as pris un guet de quelqu'un qui était en Amérique, en Australie, et tu es parti ensuite en bateau pendant 3 semaines pour l'amener à sa femme qui restait en Israël, en France. Et maintenant tu arrives, tu dis, peut-être qu'il est mort. Il était vivant, tu le laisses vivant. Becheskat Chay, il continue avec sa chazaka. Dans toutes les situations, on laisse la chose sur le chazaka. C'est un très très vaste sujet, le sujet des chazakot en général. Les choses ne changent pas d'état jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Les présomptions présument que les choses sont restées dans leur état jusqu'à preuve du contraire. Et on a parlé dans les Mishnah précédentes de plusieurs situations de personnes, on s'intéresse à savoir qu'ils sont encore vivants, on avait parlé dans les Mishnah précédentes d'un Kohen, d'un Lévi, d'un pauvre, qui sont encore dans la situation de Kohen, Lévi ou de pauvres, qui ne sont pas morts, qui n'ont pas refait fortune. Et maintenant, on va découvrir encore une autre situation, où à présent, on ne va plus parler d'êtres humains, mais on va parler de fruits. Les fruits sont censés être encore en bon état, jusqu'à preuve du contraire, ou bien d'argent aussi, que l'argent il est aussi dans l'état. C'est-à-dire, je vais vous expliquer d'abord un petit principe très très général. Vous savez que quand on reçoit des récoltes, imaginez que vous avez des grandes plantations de poires. Vous récupérez des quantités astronomiques de poires. Il va falloir laisser maintenant de la trouma de ces poires. C'est quoi de la trouma de ces poires? Ça signifie que un cinquantième de toutes les poires que vous avez à peu près 50 tonnes de poires que vous avez récupérées, imaginez. Vous avez une tonne entière de poires à donner. Concrètement, vous croyez qu'à chaque fois que vous allez amener un sac, vous allez mettre à compter les poires et à vous dire « Ah, j'en ai aujourd'hui 400, donc je vais pouvoir en laisser maintenant 8. Après, je vais recevoir un autre sac et je vais... Et après quoi, je vais mettre 8 après où je les mets. Techniquement, quand on doit gérer une usine entière, vous imaginez bien, une solution super simple, tu prends une tonne de poires, tu la laisses de côté, et chaque fois que tu amènes un nouveau sac, ouais, par exemple, tu sais que tu remplis des sacs de 500, par exemple, donc de 500 kilos, je sais pas quoi, mais tu vas prendre un gros sac, donc tu vas mettre deux sacs de 500 kilos de poires, et chaque fois que tu reviens avec un sac de poires, tu dis, hop, la trouma qui est pour ces fruits-là, je la mets là, pac. Et après, tu apportes un nouveau sac, la trouma de là, je la mets là. Et comme ça, tu remplis doucement, doucement tes poires, ou tes raisins, ou tes carottes, ou ce que tu veux. D'accord? Principe intelligent, pratique. Après, vous savez aussi qu'il faut prélever le maaser sheni. Bon, à prélever le maaser sheni, c'est venu qu'on va prendre des fruits qu'il va falloir amener à Yerushalayim. Maintenant, avec des quantités pareilles de fruits, je ne vais pas venir à Yerushalayim. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir avec 77 camions. C'est quoi? C'est des ravitaillements de Gaza ou quoi? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir, maintenant que j'amène des fruits à Yerushalayim, je ne peux pas apporter une quantité pareille à Yerushalayim. Qu'est-ce que je fais? Je transfère l'argent, la gdoucha, sur de l'argent. Donc en fait, à côté des sacs là-bas de 500 kilos de pommes, là, comme ça, ça va être pour la trouma. J'en fais aussi comme ça pour le Lévi. J'ajoute encore 9,8 sacs pour le Lévi. Et je mets aussi de la trouma comme ça. Chaque fois que j'arrive, je dis, bon, la trouma est ma serre, de lui sur lui. Et après, pour le maaser sheni, alors je vais dire, bon, et maintenant le maaser sheni, dans ce sac, la partie de droite, tac, c'est bien le maaser sheni. Il y a maintenant de la gdoucha dessus. Je suis mechalel sur l'argent que j'ai laissé là-bas, là, sur l'étagère là-bas. J'ai laissé une bourse d'argent. Bon, il y a assez d'argent. J'ai calculé que pour les 50 tonnes de poire, je fais très rapidement comme ça la frachat trouma tout maasrot. Tout marche très bien. Tout marche très bien tant qu'il n'y a pas de galère. Parce que des fois, il y a des. Comment ça dit? Tant qu'il n'y a pas d'épines, on dit, il y a un bitouille, comme il y a une explication, comme ça. Tant qu'il n'y a pas de kotsim. Il y a des fois où il y a eu un problème. Quel est le problème? J'ai laissé
Par exemple, je devais prélever des fûts de vin. Donc, avec le vin, pour le prélever, il faut attendre qu'il soit des fûts de vin. J'ai laissé un fût de vin, super. Et comme ça, à chaque fois que j'arrive avec un nouveau tonneau, pack, je m'affiche la tombante. Après, je viens pour apporter au Cohen. Je lui dis, regarde le Cohen, c'est pour toi, tu as un tonneau entier, on ouvre, on s'effondre devant l'odeur du vinaigre violent qu'il y a dans ce fût. Oh, catastrophe. Ça signifie que maintenant, ça fait peut-être au moins 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, allez savoir quand ça s'est passé que tout ce vin, il a tourné au vinaigre. Comment je peux maintenant, alors que si c'était du vinaigre, je ne pouvais plus faire la tourma. Depuis quand je pars en arrière? J'ai embouteillé maintenant 3000 bouteilles qui ont été dispatchées dans tout Yerushalayim et dans tout Israël, avec ces bouteilles, qu'allez savoir maintenant si en fait on a prélevé la tourma automassa, bah, par où on commence, par où on finit? Comment on fait dans une situation pareille? Il faut des halakhot bien clair. C'est ce que la Mishnah va venir nous faire. Amafrish perot liot mafrish aleyen truma ou ma'asot. Excuse-moi. Amaniach perot liot mafrish aleyen truma ou ma'asot. Celui qui va laisser poser des fruits, là, il laisse les deux sacs, là-bas, comme on a dit, pour être mafrish aleyen truma ou ma'asot, pour que il va prélever constamment les truma ou ma'asot. Chaque fois qu'il apporte un nouveau sac, il s'arrête à l'entrée, il dit, oh, truma, la quantité nécessaire pour ça, je la mets encore 2-3 pommes, encore 2-3 pommes, poire, on en était. Jusqu'à que je sais que j'ai fini de faire entrer mes 50 tonnes, donc il y a une tonne, la tonne entière, elle est devenue trauma. D'accord? Et il laisse aussi des ma'ot, les autres mafrish alen maserchani aussi, il laisse de l'argent sur l'étagère. Kachav qui rentre, il dit ensuite, pour le maserchani, je fais que maintenant le maserchani sera sur les fruits dans la partie sud du sac que j'ai devant moi, et maintenant je transfère la gdoucha de ces fruits sur l'argent que j'ai laissé poser là-bas sur l'étagère. Et mafrish alen bechaskat shenkaimin, il pourra constamment prélevé en supposant qu'ils sont encore là. Il n'a pas besoin d'aller vérifier tout le matin que l'argent est à sa place. Il n'a pas besoin d'ouvrir le tonneau tous les jours pour voir qu'il n'a pas encore tourné au vinaigre, ni d'ouvrir le sac de poire pour voir si elles ne sont pas devenues toutes pleines de verre. Im avdu areze chosesh me et le et. Divrei Rabbi Eliezer ben Shamua. Selon Rabbi Eliezer ben Shamua, alors là il vient m'apprendre quelque chose de très. Rabbi Elazar ben Shamua. Il vient d'apprendre quelque chose de très nouveau et très particulier. Il me dit, attention, si jamais quand tu ouvres le tonneau, bon, prenez pas que c'est un vin, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous ouvrez ou vous effondrez. Vous ouvrez le tonneau de vin qui était pour le Cohen, pour lui dire, tiens, goûte, et il le crache, il dit, ouf, il a un peu tourné au vinaigre. Bon, c'est la tourne au vinaigre, alors, probablement, ça peut être dans les dernières 24 heures, ou plus avant, et la Mishnah, selon Rabbi Elazar ben Shamua, vient me dire, eh bien, arézé chosesh metlet, il va craindre, juste Metlet, ça fait depuis cet instant jusqu'à un instant en arrière, il y a 24 heures. Il est en ce moment 9h du matin. Et bien depuis 9h du matin d'hier, tu soupçonnes que peut-être la Chazaka a changé et qu'elle a déjà disparu, qu'elle a déjà tourné au vinaigre, que l'argent a déjà été perdu. D'accord? Ça, c'est la vie de Rabbi Elazar ben Shamua. Et sur ça, on a, et je n'ai pas vu de quelqu'un qui relève sur ça spécifiquement. Valachaka Rabbi Yehuda, c'est le premier. Rabbi Yehuda, le prochain, il va nous dire non. Rabbi Yehuda vient me dire non, 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 pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Pour le vin spécifiquement, il va nous donner 3 bornes de temps où il faut vérifier le vin. Et une fois que tu as vérifié, c'est bon, tu continues jusqu'à que tu découvres qu'il est devenu du vinaigre. Seulement tu l'interdiras, mais tu ne l'interdiras pas rétroactivement. Mais il faut juste faire attention à vérifier à ces 3 périodes de l'année. Bishlosha Prakim Botin et Tanaïn. À 3 périodes de l'année, il faudra vérifier le vin s'il n'a pas tourné au vinaigre. Bekadim shel motzaï achag, avec le premier vent d'est qui vient à la sortie de la fête, quand on dit chag dans la Mishnah, c'est Sukkot. À la fin de Sukkot, quand on commence les périodes fraîches, c'est le moment d'aller vérifier tout de suite le vin s'il n'a pas tourné. Une fois tu le vérifies à ce moment-là, et ensuite au Beotzaat Semadar, j'imagine que ça approche de Toubishvat, je suppose, quand maintenant les vignes vont commencer à fleurir, à porter des Semadar. Comment c'est dit dans Shir Hashirim? Ah, Natnu Reach, Vagefanim Smadar, Anissa, je ne sais plus, bon bref, je ne l'ai pas en tête, c'est pas grave. En tout cas, là-bas, on a dit Smadar. Smadar, c'est les tout petits raisins quand ils n'ont pas encore poussé. Botsa Smadar, quand le Smadar, quand la petite fleur, elle commence à éclore. Alors là, c'est Smadar. Et dès que ça sort, c'est le moment d'aller vérifier une deuxième fois les fûts de l'année, je ne sais pas où c'est, si j'imagine, c'est le Bishvat. Et ensuite, au Bishat Knissat Amaim Baboser, et au moment où. La période de l'année où on fait rentrer de l'eau dans le bosser. Alors le bosser, c'est compliqué. On parle de le petit raisin, il a plusieurs noms. Il y a quand il commence à pousser, c'est un petit bouton, c'est une fleur, après c'est un bouton. Après ça commence à grossir. Il y a un moment où il va s'appeler bosser. Ils n'ont pas encore atteint leur schlich.
Et là, alors il y a deux avis dans le bartendant, qu'est-ce qu'on fait? Et on avait l'usage en tout cas de les. Soit de. Ils se bossaient, ils se remplissaient d'eau, ils grossissaient sur l'arbre. Soit une fois qu'on les prenait, on avait l'usage de les couper de l'arbre et de les écraser pour en faire une sorte de vinaigre. Ils ont rajouté de l'eau dessus. Concrètement, ce qui m'intéresse de la Mishnah, les détails de ces trois périodes de l'année, c'est que Rabbi Yehuda a fixé trois périodes de l'année uniquement, tu vas, tu vérifies le vin. Et une fois que tu as vérifié le vin, tu repars jusqu'à la prochaine borne en étant sûr que c'est encore du vin et qu'il n'est pas tourné au vinaigre. D'accord? Et là, le chal est comme un biouda, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atsakha comme tout le monde.